Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue. On retrouve notre petit Iowa endormi. C'est un peu comme le beau au bois dormant, quoi. Hein, voilà. Il fait un gros dodo, il ronflote un peu et comme vous pouvez le voir ou pas, je lui ai ajouté quelques petites choses dans sa maison. Déjà des rideaux. Hein, ça ramènera un peu d'intimité s'il arrive à choper une fille dans la chambre. Et des rideaux dans aussi le séjour et une petite table d'échecs avec un fauteuil puisqu'il doit aussi monter la logique pour ce challenge. Et ce n'est une compétence que je n'avais pas encore commencé à travailler pour lui. Bon mon petit, tu as bien commencé, tu jettes les ordures, tu vas déj et puis tu iras faire un footing. Déjà, pour commencer tout ça. Et puis... Après, on verra ce qu'on va te faire. De toute façon, tu vas tout le monde avoir un petit claquage là. Tu vas être forcément éreinté. Donc, on verra bien. C'est la nouvelle mode hein, maintenant on court avec son assiette. D'accord, c'est super logique. Mais. Oh, c'est Phalangine et Skeletto! Comment allez-vous, mademoiselle? On vous avait vu à Selvadorada. Vous êtes en ville maintenant? Oh, ce look, c'est incroyable. Hein, voilà, qui devait être sûrement une squelette pour du temple, et finalement elle est là en tant qu'humaine. Wesh, vas-y, on t'a pas demandé de rentrer en fait, tu vois? Hein? Voilà, fais comme chez toi surtout, hein. Tiens, tiens, elle est célibataire en plus, c'est cool. On va peut-être tenter, hein? Bon, en ce moment, on va dire qu'avec mon petit Iowa, j'ai un peu de mal à draguer les Sims. Il s'est pris beaucoup de vent, ce pauvre, alors que bon, d'habitude, je galère pas autant. Elle est gloutonne, ça ne m'aurait pas étonné vu comment elle a bouffé son plat, quoi. Enfin, notre plat. Mamma mia, elle est enjôleuse. Oh là là, je pense que tu peux y aller, mon petit. Je pense que tu vas pouvoir la draguer. Je crois qu'elle est open. Allez, on croise les mimiches, parce que là, sinon, il va rester puceau toute sa vie, ce pauvre. Vas-y, raconte une histoire drôle là. Mais en fait, c'est lui. Je sais pas ce qu'il fout, mais il est nul. Il arrête pas de faire des blagues de merde. Il dit de la merde, quoi. Je pense qu'on va surtout lui demander de partir à cette fille, parce que sinon, on va jamais y arriver. Bon. Soul, soul. Ah. 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 Tu vas la draguer. Ah. Allez, conversation agréable. Bon, on n'est vraiment pas en très bon engagé non plus dans le rose, hein. Alors, vas-y, 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 enchaîne, enchaîne, elle est chaude. À demander un massage, oui, pourquoi pas. Ça rapproche les mains sur le corps, tout ça. Ça peut créer des petites. Mais non! Mais quoi? Pourquoi? Mais j'en ai marre de ce jeu, hein? Quand ça fonctionne, et ben après ça veut plus fonctionner. Oh, voilà le rapprochement, il est là, le rapprochement. Oh là là, deux de suite, ça y est, oh là là, ça y est, ça part. Bah, d'ailleurs, elle va partir, mais hors de question, meuf, tu restes là. Moi, je te le dis direct, voilà, tu embrailles, hein, Iowa. Faux. Vas-y, embrasse les mains, tout ça. Passe la deuxième. Oh, punaise, demander d'être sa petite amie. On va pas aller jusque-là, mais au moins qu'il tire son coup. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais on a... Ah, premier baiser. Oui. Oh oui. Et c'est un oui! Deuxième meuf embrassée. Est-ce que ça va pouvoir aller plus loin, mon petit? Attends, avant qu'elle s'en aille, tu vas lui murmurer suavement. Hein, et avant qu'elle ne dise ouf, tu vas aller au lit avec elle. Attends, faut que ça passe. Ah non, ça veut toujours pas? Faire crac-crac dans le buisson. Ah, reste là, connasse! Ça y est, faire crac-crac avec Phalangine. Vas-y, t'as vu la bête? Eh, tu veux la voir sous la couette, la bête? La grosse bébête? Ah, yes! Iowa va se faire des pucelés! Ça c'est bien, et ça c'est bien. Bon, alors le truc, c'est que, comment dire, il pue la mort. C'est pas grave, on dirait que c'est l'odeur de la sensualité. Voilà, Iowa va faire crac-crac pour la première fois. Amuse-toi bien, je suis enfin fière de toi, mon petit. Eh ben, il en a fait voler les plumes. Oh la vache, il est dégueulasse. Mais je t'avais fait un petit programme. Va prendre. Non, pas embuée. Oups, non, pas embuée. Va prendre une douche froide plutôt, mon coco. Va te calmer les ardeurs.
Bon, en tout cas, va te laver quand même. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais bon, t'as pas bossé du tout de la journée, donc tu seras mignon. Tu vas tout nous vendre après. Voilà, tu vas t'occuper un peu du jardin. C'est bien, ouais, t'es tout excité. Regarde, en plus, elle fait le ménage. Et tu vas découvrir un objet ancien, parce que t'as encore pas mal de taf, Iowa, hein? Faut pas oublier ça. Draguer et niquer, c'est sympa, mais il faut aussi travailler. Je crois qu'elle est en train de mater ton cul. Elle te kiffe quand même, hein? Non mais arrêtez ce fucking harcèlement! Et ça, c'est qui ça encore? Mais arrêtez de venir tous taper chez moi, hein! Non mais c'est bon là, il doit taffer. Alors, s'il te plaît, monsieur, tu t'en vas. Et nous avons découvert un petit lapin. Yes! C'est quelque chose d'authentique, c'est super, tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire. Tu vas aller manger, s'il te plaît. Et avant d'aller te coucher, tu iras chercher encore quelques petites choses qui traînent, genre ça. Voilà, à la recherche d'un trésor et compagnie pour qu'on puisse avoir tous les cristaux qu'il nous faut. Fossiles, un verron, super. Tu peux pas nous choper des trucs un peu plus intéressants quand même? Ouais, des pièces de cuisine. Youhou! Bon, allez, rentre à la maison. 8h24, Iowa, c'est dit, j'ai faim. Donc je vais me lever et je vais manger du poisson. Quelle bonne haleine dès le matin. Ah, nous avons eu le courrier, donc ça veut dire qu'on a sûrement reçu les trucs. À authentifier. Oh, l'enfoiré, il m'a cassé la douche. Regardez-moi ces petits sous. C'est bien? Allez, hop, tu vas aller faire un petit jogging. Voilà, des petits étirements, des petits échauffements. Et tu vas aller courir. Au niveau fitness, on est à 3. Voilà, bah oui, bah un footing par jour, on va pas aller loin. Vu que monsieur était éreinté rapidement. Allez, go, mon petit. Voilà, après le footing. Et il est bien sûr éreinté à chaque fois. Et bah, tu bosses. Ça, c'est le truc qu'on nous a envoyé, donc à authentifier pour avoir un bon petit salaire. Donc, go. Et c'est un authentique! Super! Tu vas pouvoir le renvoyer. Et on touche 4600! C'est énorme. Et bah, tu vois, il nous en reste encore pas mal là à faire avant de retourner à Salvadorada. Donc, t'as du taf, Coco. Nous avons donc trouvé un crâne. Mais c'est incroyable ça. Je vais finir par mettre le trait domicile privé parce que j'en ai marre là, ça défile. Barrez-vous, cours de Sims. J'ai jamais eu ça. Et alors? Yes! C'est un. Oh, il est magnifique! Tu peux le mettre dans l'inventaire. Oui, tu t'ennuies? Tu vas aller jouer un petit peu. Hein? Comme ça va te faire bosser ta logique, puisqu'il est temps de commencer à travailler la logique. Parce que le prochain voyage à Salvadorada, eh bien, ce sera dimanche, déjà. Et ben voilà! Niveau 2 de la compétence logique! Et en plus, ça le remonte bien le divertissement. C'est parfait. Du coup, ben, on part à la chasse aux cristaux et aux fossiles. Et pas au marteau et à la fossile, hein. Vu que après je vais lui faire un petit foufoute. Allez, j'espère que ça va être un beau petit cristal. Oh, je pense que c'est même un métal, mais. Oh, il est content. Ah, c'est une capsule! Oh. Allez, go, le petit cristal. Ce sera quoi? Il est content. Il est content. Encore une. Oh non! Et celle-là, vas-y, dis-moi que c'est un beau petit cristal. Et c'est pas grave si on a des doubles, parce qu'on pourra les raffiner, en faire des éléments et tout le tralala quoi. Parce qu'il faut avoir les éléments aussi. Allez, un cristal, dis-moi. Ah, oh, j'en ai marre des capsules, je te jure. Bon, ben on est parti pour un petit footing du soir. Espoir. Eh ben, t'es bien dégueu. Maintenant, vas-y. Va dans la douche, va pisser, tout ça. Dépêche-toi! Oh là là, qu'est-ce qui me fait perdre du temps, celui-là. Il se fait perdre lui-même du temps en fait, hein, à dire oh là là mais je pue, c'est quoi cette odeur? Puis après je crois que tu vas servir le dîner, hein, des petits macaronis fromage, bah tiens, oui, c'est une classique chez moi. Avec un petit peu de télé histoire, qui se tient informé des choses qui se passent, tu vois, voilà, les championnats de foot, tout ça. Puis après tu iras dormir mon petit. Et une nouvelle journée commence, tu vas prendre une douche tonifiante. Allez, go! Tu t'imagines ce que je vais te demander à Iowa? Tu vas aller faire un footing tout de suite? Et en même temps, t'es tellement lent à te mettre à faire du sport que bah, je suis obligée. Oh là là, la chemise! Oh, sexy! Oh, c'est quand même un niveau 4 de fitness, mon coco! Allez, va manger! Tu vas faire un petit pipi et puis après, tu vas bosser. Allez, hop! Voilà, tout un programme.
Est-ce que c'est un masque maintenant que nous avons? Yes! Oh, c'est un bien celui-là. C'est cool, tu vas pouvoir me le mettre dans l'inventaire. Tu vas retourner pisser, te doucher. T'es relou un peu sur les bords, non? Hein? Ou quoi? Waouh, toutes les murs qu'on fait évoluer, c'est très bien. Va falloir pulvériser de l'insecticide. On nous demande pas de les arroser encore. Donc après, tu peux. Non, pas tout récolter, c'est pas le bon let's play ça. Tu pourras tout vendre directement. Et les petits pesetas qui s'amoncellent, nous on est contents. Bon, il est tristoun, on va lui faire appeler elle. Voilà, tu vas discuter. Et tu vas envoyer un SMS. Comme ça ira mieux, d'accord? Peut-être qu'elle viendra. Hein, si elle a envie de redécouvrir l'aventure sous la couette, elle reviendra. Allez, on est reparti. Et mode de terre, tout ça. Super. Encore un lapin. Oh là là, quelques objets. Maintenant, on va recevoir plusieurs et on va avoir une énorme compensation. Bah dis donc, on n'aura jamais le temps de finir ce qu'on a dans notre inventaire, quoi. Il nous reste encore 5 modes de terre à ouvrir. Yes! C'est un bon! Ok, super. Tu le mets dans l'inventaire, mon chou, et puis tu vas en refaire un autre. Ah, il faut absolument qu'on finisse nos modes de terre. Encore un lapin à découvrir, et puis après t'as quelques cristaux à aller chercher, donc t'es pas prêt de dormir, je pense. Tiens, tiens, tiens! Il y en a une qui a des envies un peu sexuelles. Super, c'est ce même qu'on avait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Il va aller chercher ses cristaux, et puis après on va aller chercher bonheur avec Phalangine. Et je vous jure, il y a que des capsules sur cette île ou quoi? Oups, je crois que Phalangine, elle a perdu un peu le patience et qu'elle a voulu se barrer. Oh, elle te rejette! Pas ça, c'est beau. Ah, oh, vas-y, vas-y, roule-lui un gros, gros, gros patin, drague-la tout ce que tu veux, tu lui mets tout ce que tu veux où tu veux. Coquin. Tiens, tiens, tiens. Il semblerait qu'une proposition coquine a été demandée et acceptée. La la la. Te presse pas, Phalangine, hein, surtout. Oh, 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 oh. Et hop, dans le petit buisson coquin, Ayoa refait la bête à deux dos. Vous pouvez sortir, tout va bien. En tout cas, ce fut apparemment très très bien. Oh oui. Ah oui, il est quand même 4 h du matin. Bah, tu vas aller dormir très rapidement, je pense, mon petit, parce que demain, tu bosses encore, hein, Coco? Oh mon Dieu, c'est la dernière journée en plus? Avant de repartir à Selvadorada? Eh ben... Bon mon chou, il est plus de 9 h 30, allez tu vas te lever. Tu vas aller te prendre une petite douche tonifiante, tu vas tout vendre. Est-ce qu'il y a des trucs à mon avis qu'il faut tout arroser et tout désherber? Pouah, il y en a beaucoup trop de taf. Puis il faut faire expertiser tous les trucs. Hein, voilà. Oh là là, puis on en a 4 aussi là. Non, attendez, c'est ce qui nous reste. Authentifier un objet ancien, ça va, tu vas le faire tout de suite. Pour gagner des sous, t'as du plein sur la planche, hein. Oh, c'est cool, niveau 5 en jardinage, c'est toujours ça de prix. Oh, et en plus, c'est un truc authentique. Bon, il est un petit peu endommagé, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir le renvoyer. 3247. Bon, c'est un peu moins énorme que la dernière fois parce qu'il était un peu caca. Mais ça passe, on va pas cracher dessus. Et puis après, tu fais un peu d'échecs, s'il te plaît, pour monter ta logique. Bon, ouais, mais non, ça commence à suffire. Tiens, tiens, un vase. Bon, je pense en vrai que vu à quel point on n'est pas trop avancé, il nous reste des trucs un peu à avancer. Je vais partir à Selvadorada du lundi, pas du dimanche. Comme ça sera du lundi au lundi pour le voyage. Et ce sera pas plus mal non plus. Je veux dire, je décale d'un jour, c'est pas grave. Comme ça, il nous restera la journée de demain pour pouvoir avancer les découvertes et tout ça, quoi. Et puis aussi la logique, le fitness, un peu tout, quoi. Oh, et puis c'est un vase qui est authentique, même s'il est cassé, tu peux mettre dans l'inventaire, s'il te plaît, et tu peux en... Voilà, il nous en reste 3, donc ça devrait le faire, mais on sait jamais. Cette fois-ci, nous avons un masque. Bon, bah, on n'a toujours pas complété la collection des trésors, donc on peut toujours croiser les doigts. Oh, cool! Il est aussi authentique, celui-là. Bon, bah en tout cas, il a des petites choses à faire. Aller faire pipi, nettoyer les toilettes qui sont dégueulasses. Et aller chercher, je l'espère, des cristaux.
Yes! On a enfin trouvé un turquoise, c'est-à-dire, ben. Eh ben, un cristal, quoi! Parce que ça manquait. Non, mais si t'avances à pas d'escargot, voilà, quoi. On va pas y arriver, hein, Iowa. Allez, dis-moi ce que tu trouves. Dis-moi quelque chose de bien. Oh, une capsule. Un Ozynold! Ça, c'est cool! Bon, allez, rentre à la maison, bah, tu casses les pieds. Bon, il est même pas minuit et demi, donc tu iras faire un petit peu d'échecs avant d'aller dormir. T'es qu'au niveau 2, hein, de la logique, hein, donc c'est pas des masses. Hein. Voilà, faut au moins rattraper au moins le fitness, où t'es au 4. Bon, allez, 2 h du mat. Ouais, tu vas être lu dans mes pensées, va dormir. Il a quand même monté à presque 3. C'est mieux que rien. Allez! De bon matin et de bonne humeur, on va arroser les plantes du Seigneur. Oui, alors j'ai vite fait réorganiser le jardin, mais vraiment vite fait. Et tu pourras tout désherber aussi. Et puis tant que t'y es, hein, on va commencer à tout vendre. Voilà. On a un petit pactole de 15 000 maintenant, on est plutôt tranquille, hein, on n'a plus peur comme on avait eu du mal à payer les premières factures, mais là ça va, tranquille. Allez, tu jettes ça à la poubelle. Oh, ce tapis, j'en peux plus. Et après, c'est le petit footing. Et il repue en plus. Allez, va prendre une douche, vas-y. Oh là là, c'est pas comme si tu l'as déjà prise tout à l'heure. Et il nous reste que 2 objets anciens à découvrir. Oh là là là, c'est bien, on va être just in time. Allez, un vase. Allez, un vase. Waouh, mes petites updates. On est quand même à un objet d'avoir tous les trésors omnisquins. Ah, ça c'est trop cool. Alors, contrefaçon, bah, tu vas le mettre dans l'inventaire quand même, mon coco. Et allez, tu voulais faire quoi là? Je sais pas, tu vas nous découvrir le dernier. Ah, peut-être que c'est celui qui manque. On peut toujours rêver. Et c'est donc un masque. Peut-être c'est le masque manquant. Bah, vous êtes gentil, mais on sera plus là en fait, hein? On sera à Selvadorada. Oh bah zut, c'est encore un faux. Bon bah, en tout cas, on a fini. On n'a plus de mode de terre ni rien. Et là, il envoie tout plein de trucs à nos amis, le conseil de géologie. Tu vas pouvoir discuter, discuter, discuter et discuter. Ça te fera remonter. Et puis après, bah, voilà, faudra attendre d'aller et de retourner à Selva Dorada. Et en attendant, tu vas jouer un petit peu aux échecs. Enfin, j'avais pas vu l'heure, quoi. Il est déjà 22 h 30, 23 h. Il est fatigué en plus, l'enfoiré. Donc, il va pas bien bosser, hein. Avec l'estomac rempli, ça ira peut-être mieux. Pour l'instant, il réfléchit à une strat. On va le faire bosser, hein. De toute façon, après, il ira à Selvadorada demain. Et donc, bah là, il veut plus. Il en a marre. Vas-y, rejoins un peu, s'il te plaît. Maintenant que t'es concentré, allez, tu nous valides ce point et puis on sera très content. Et voilà, niveau 3 d'archéologie. Bon, de logique, pardon. N'importe quoi. C'est toujours mieux que rien. En fitness, on est à 4. En jardinage, on est à 5. Et à logique, on est à 3. Sachant qu'on a déjà le max en culture selvadoradienne et en archéologie. Voilà mon petit Iowa. Tu vas pouvoir aller te coucher. Tiens, tu vas me jeter ça avant. Et tu pourras aller te coucher. Et du coup, moi, ben, je vous retrouverai la semaine prochaine avec le deuxième voyage d'Iowa à Selvadorada. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je pense que ben, la semaine prochaine, dans la jungle, sera beaucoup plus intéressant. Et j'espère qu'on trouvera de belles choses. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. N'hésitez pas à mettre un com, un like, à partager la chaîne si vous voulez m'aider à me faire connaître et à regarder des petites pubs YouTube pour me soutenir gratuitement. Des gros bisous à vous. Ciao!